Chaque occasion de se retrouver sur la plage de Monsieur Hulot à Saint-Marc-sur-Mer est une joie sans fin pour Ninon Bretéché. La comédienne et metteur en scène revient ainsi sur les pas de ses vacances d'enfant où le rêve d'une vie d'artiste a éclos. Entre ses projets de réalisation documentaire, ses mises en scène au théâtre, Ninon aime prendre le temps de regarder le monde, les gens et les choses, de comprendre la société pour mieux la donner en spectacle. Également au sommaire de ce numéro d'Artothèque. On est un peu à l'abordage quand on fait une sculpture. C'est-à-dire qu'il y a vraiment pour moi un transfert de corps entre l'artiste et la matière qui est sculptée. Les mots passent du cerveau aux doigts sans s'arrêter à nulle part, je veux dire, sans se formuler avant. Pendant longtemps, j'avais l'impression qu'il y avait d'un côté la musicienne, de l'autre la paludière, qu'il y avait deux mondes. Et j'ai besoin que ça puisse se rencontrer. À chaque fois, j'essayais de réfléchir chaque petit moment clé avec une démarche graphique qui allait plus loin que juste le visuel, en fait. Ninon Bretéché, la plage de Monsieur Hulot. Cette rencontre ne doit rien au hasard. Ah non, elle doit tout à l'enfance. C'est là que vous veniez passer vos vacances ? Mon père était de Nantes. On venait très souvent dans la région pendant les vacances. Monsieur Hulot, pour moi, était déjà tellement ancré dans ma vie parce que je regardais tous les films VHS, mon oncle, les vacances de Monsieur Hulot, jour de fête que j'adorais, ce postier incroyable qui ne parlait pas mais qui faisait des petits boulots. Donc quand je venais ici, je venais chez Jacques Tati. Et... Est-ce qu'un personnage comme Monsieur Hulot et un réalisateur comme Jacques Tati vous ont appris des choses? Quand on est petit, on nous montre, et c'est bien normal, les parents, la famille nous montrent un chemin, une sorte de structure. Et parfois, quand on se sent un tout petit peu étranger, on adore voir des personnes qui ne sont pas tout à fait adaptées à la vie autour. Et pour moi, Monsieur Hulot, Jacques Tati, c'était ça. C'était quelqu'un qui était profond, éperdument gentil, drôle, poète. Est-ce qu'il vous a construit aussi en tant que comédienne, en tant que metteur en scène? Oh oui, absolument. Son rapport au son, son rapport au rythme, aux cadences, c'est pas ce que musical, c'est des chorégraphies, Jacques Tati. Je me souviens que quand une des premières pièces que j'ai jouées avec Fadel Jaibi à Limoges était une adaptation dont On achève bien les chevaux. Alors c'était une pièce très, très dure, et avant de nous lancer dans l'arène, Fadel nous a dit « faut que vous sachiez rentrer sur scène ». Nous, on ne comprenait pas bien, on se dit, bah oui, d'accord. Non, non, mais pour lui, ce n'était pas aussi simple. Il fallait qu'on crée un personnage d'emblée en arrivant. Sans mot dire. Sans mot dire, absolument. Comme faisait Jacques Tati, qui était comme un personnage muet, qui était propulsé dans un monde parlant. Et alors, qu'est-ce que vous avez fait avec ça, vous? Ah bah alors, je me suis beaucoup trompée. C'est-à-dire qu'on a tous été très éjectés comme ça. Non, non, recommencez encore, encore. Donc, on a passé 3 semaines dans une cage d'escalier. Et lui nous attendait dans la salle. Tant qu'il n'était pas satisfait, il nous disait « Dehors, dehors, recommencez !» Puis un jour, je me suis dit « Moi, j'en peux plus, je vais faire la danse des talons. » Donc, ça donne quoi ? Bah, je suis descendue tout en bas, puis j'ai commencé. Ah oui. C'était un peu du flamenco. Puis d'un seul coup, je me suis dit « Oh, bah, je vais être joueuse, je fais demi-tour. » Donc, tac, 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 tac. Je suis repartie, à un moment, je suis montée. Un peu en provocation quand même. Et puis, il m'a dit, c'est génial, voilà, on garde. Eh ben, vous aviez votre entrée de scène. Voilà, 3 semaines plus tard, mais bon, il avait raison d'être exigeant. Alors, Fadel, Jacques Tati, il y a aussi Fellini, et puis, Ariane Mnouchkine, très importante pour vous. Oui, Ariane, parce qu'Ariane, c'est une femme de troupe, c'est une femme qui réunit des gens de tous les continents, et j'ai été émerveillée de la rencontrer. Elle m'a fait découvrir les masques, ce qui n'est pas... On rejoint Jacques Tati parce que les masques, on a l'impression d'être protégé, on n'est jamais plus exposé que lorsqu'on porte un masque. D'ailleurs, on n'a pas le droit normalement de toucher un personnage qui est masqué. Je ne sais pas si on a le droit de toucher Jacques Tati ou... Non, mais de prendre la pose. Ah, alors, on prend la pose, Christophe? Ouais. Alors, on se met de dos, on écarte les bras. Ouais. Et on y va? On y va. On se penche. Tac! La ville de Saint-Nazaire n'appartient pas qu'aux rêveurs de voyage. Elle est aussi la propriété des pêcheurs, des marins et des ouvriers de la navale. La danseuse Élodie Guillotin lui offre un mouvement inattendu et un instant de grâce.
Les chantiers de l'Atlantique sont la fierté de Saint-Nazaire. Depuis le Second Empire, les plus beaux et les plus grands paquebots ont été construits dans la ville portuaire. Oubliez la fin des années 80 où la concurrence asiatique annonçait le glas des chantiers. Oubliez les années 2000 où la fin des aides publiques et la faillite du coréen STX ont bien failli faire couler le navire. Le savoir-faire de la navale et la recherche des meilleurs concepteurs ingénieurs ont permis à Saint-Nazaire de sortir la tête de l'eau. Grâce à l'essor des croisières. Le carnet de commandes est rempli jusqu'en 2026. Ce sont deux bateaux de croisière qui sortiront chaque année des bassins de Saint-Nazaire pour affronter les océans du monde. Alors quand on visite les chantiers de l'Atlantique, on vient rarement dans cet atelier où on a senti, entre parenthèses, des futures cabines de paquebots. Il y a du bruit, il y a des odeurs, il y a des étincelles, des gerbes d'étincelles. On est quand même très très loin du théâtre ici. Mais pas tant que ça, parce que les ateliers de construction des théâtres sont constitués de hangars comme ça où on travaille le bois, l'acier, les chaises, les toiles peintes, où il y a des odeurs de peinture, des effluves. Quand j'ai mis en scène le spectacle Sérénade, j'ai eu la chance d'aller dans les ateliers de la Comédie Française à Sarcelles. Et là, il y avait tous les décors des spectacles précédents qui étaient stockés. J'étais à la recherche d'un arbre. Et vous l'avez trouvé ? Un arbre magnifique. Il était au-delà de mes espérances. Un arbre tout en résine, une sorte de cerisier du Japon, avec des petites... Mais tout était de la dentelle. Une œuvre d'art. Une œuvre d'art, mais très lourde, donc qui était soulevée comme ça par des... Il se passe mille choses au-dessus de nous. C'est beau, hein ? Ah, c'est magnifique. Avant que d'assembler les pièces de ce gros puzzle, que ces ouvriers, ces hommes, par allégorie, c'est quoi le bon apprentissage, la bonne formation des comédiens pour vous ? Alors, pour moi, trouver une école avec pour apprendre des bases, savoir dire des alexandrins, des bases... En fait, plus on a des bases classiques et une bonne technique, plus après on peut s'en échapper et prendre des chemins de traverse. Et puis aussi rencontrer une équipe, créer une bande, savoir s'il y en a un qui a un talent pour écrire, s'associer à lui, je crois beaucoup au collectif. Aller voir des spectacles, rencontrer des acteurs qu'on aime, des metteurs en scène, proposer, essayer. Tout ça, merci, ça forme. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de rivalité, comme on le croit parfois entre les comédiens qui veulent se voler là. Non, vous, au contraire, vous avez besoin de ce contact et de vous nourrir du travail des autres. Ah oui, moi j'aime beaucoup admirer. J'adore les acteurs, j'adore les actrices. Et puis créer ensemble. On sait bien, quand on joue avec un bon acteur, on devient très bon. Et pour moi, la clé de la formation, c'est rencontrer... aller à la rencontre de spectacles, de metteurs en scène, de comédiens. Ah ben... Il faut s'attendre à tout ici. On ne risque rien, on ne risque rien. Et on est équipé. Voilà, on est protégé. Donc, voilà. Et avoir de l'audace, pas avoir peur de proposer des choses qui ne se sont jamais faites. Justement, la scène bouge. Bougeons. C'est chouette, hein ? C'est un plateau de théâtre. Dans son atelier jardin de Saint-Nazaire, Olivier de Sagazan n'oublie jamais le biologiste qu'il a été. Performeur, sculpteur et peintre, l'artiste utilise terre et feuillage pour rendre leur réalité au corps. Qu'ils soient masqués, morts-vivants ou apparemment torturés, ces personnages sont tous là pour nous rappeler qu'avant toute chose, le corps est une chair toujours en vie, en devenir, une réalité transfigurée. Je suis atterrée de voir à quel point les gens ont l'air de trouver normal et banal d'être en vie.
dit-il. L'existence, elle est justement passionnante parce que ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter, ça va pas tarder à s'arrêter. On en est tous bien conscients. Et bien, il faut en profiter, il faut aller le plus loin possible pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Il faut essayer de sentir partout qu'est-ce que ça veut dire. J'ai rapidement compris que le problème de la biologie, c'est qu'elle s'arrêterait à la surface, au quantitatif. Et l'art permet à la fois d'être dans la matière et en même temps d'essayer de rendre compte de la sensibilité. Donc quand je fais une sculpture, je me rapproche beaucoup du vivant puisque j'ai de la matière, mais en même temps, j'y ai mis de mon énergie, de ma joie, de mes peines. Et donc là aussi, j'ai un peu de la matière sensible. Pour moi, le corps est porteur de telles informations, d'un tel savoir que justement, il faut le faire parler. Et quand je suis face à une de mes sculptures comme ça, dussé-je être le pire des bourreaux, il faut que la matière parle. Donc cette marbrure d'acétylène me plaît beaucoup. Il y a une phrase de Fragonard que j'adore. Il était dans son atelier. Il ne savait pas qu'un de ses copains était arrivé. Il est face à sa peinture et il est là à crier « Tu vas parler !» C'est son obsession, donner la vie. Tous les artistes sont pareils. Il faut que ça parle, il faut que ça vive. Et donc, on fait parler la matière comme on peut. Et puis on l'ausculte, on l'ouvre. On joue à Frankenstein, on joue à donner la vie. Et de toute façon, c'est l'obsession de l'art, c'est une tentative de redonner la vie. Parce que comme ça, je le vois. Il commence à parler là, un petit peu, là, cette petite langue de... Je trouve ça fantastique. Toutes les cellules sont faites par un cytosquelette qui est donc une structure comme ça qui ne cesse de bouger et sur lequel, je vais dire, la matière, le cytoplasme ne cesse d'évoluer. Et donc on se rapproche beaucoup de ce cytosquelette avec ma paille et mon argile et on retrouve un petit peu là des données essentielles du vivant. Voilà, c'est un peu ces questionnements-là qui reviennent sans fin pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que la chair, quoi. Qu'est-ce que c'est qu'être en vie, quoi. C'est ma manière, à moi, d'être un biologiste, mais avec des matériaux un peu étranges. Avec son œil qui coule et la bouche... Il y a une phrase de Braque qui était un peu une ligne rouge dans ma vie. Une forme ne m'intéresse que quand je l'ai annexée en la vivant. Cette idée d'annexion. On est un peu à l'abordage quand on fait une sculpture. Il faut réussir à faire un fétiche actif. C'est-à-dire qu'il y a vraiment pour moi un transfert de corps entre l'artiste et la matière qui est sculptée. Obsédé par cette idée de donner la vie à mes sculptures et à mes peintures, m'est venue cette idée un peu loufoque de dire ben, « je vais, un peu comme le cheval de Troie, je vais prendre mon corps, jeter mon corps dans la bataille et puis je vais le m'entourer de tous mes matériaux, de l'argile, etc. Et au moins, il y aura mon corps à l'intérieur. Et je veux voir ce que ça donne. » La défiguration, c'est pas du tout quelque chose de mortifère, c'est quelque chose au contraire qui vise à réaménager les formes, rechanger les formes pour à nouveau s'investir du vivant et prendre conscience de la beauté, de l'étrangeté d'être au monde. Je me suis totalement immergé dans l'œuvre et le live a ceci de magnifique, c'est qu'il rend compte du ici et de maintenant. C'est la première phrase de l'innommable de Beckett, c'est où ? Maintenant. Quand ? Maintenant. Qui ? Maintenant. Notre parcours au chantier de l'Atlantique se poursuit par une à la fois une vision et une situation inédite.
On est, Ninon, sous la coque d'un géant des mers. Avant que le bassin soit mis en eau, le bateau sera à flot, les moteurs vont se mettre à tourner pour la première fois et le navire va partir pour ses premiers tests en mer. Moi, je trouve que c'est une chance, mais en même temps, j'ai l'impression de vivre une sorte de vertige à l'envers, quoi. Pas vous ? Ah oui, 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 je sens la peinture. C'est des sensations étonnantes et assez magiques. Alors, c'est une première fois pour nous. Tiens, on va passer dessous. Attention à la tête. Ouais. Attention, la peinture est toute fraîche, toute belle. Oui, la première fois, lorsque vous avez mis en scène, est-ce que vous en avez gardé un bon souvenir ou est-ce que c'était plutôt de la peur, de l'angoisse ? Un souvenir merveilleux. D'abord parce que ça représentait la rencontre avec un auteur, Arnaud Catrine, une langue, une manière de voir le monde. Et j'ai pu réunir l'équipe dont je rêvais, l'équipe de musiciens, des comédiens fabuleux. Et l'auteur sur le plateau, ah ouais. Au 104 et au Montfort. Et donc quel texte en plus, le journal intime de Benjamin Lorca. Un texte magnifique, un roman, une adaptation d'un roman. Et oui, j'ai pas eu le temps de réfléchir. On est parti, alors là, on n'est pas resté à quel longtemps. Hein. Ouais. On est parti très vite. Artotech a fait vivre à ce bateau son baptême télévisuel, hein, dans ce qu'on vit. Vous vous souvenez de votre baptême en tant que comédienne ? Oui, c'était à Limoges, au Théâtre de l'Union. On avait répété assez longtemps une pièce très enlevée où on dansait, on chantait. Et on était tous des numéros. On était des artistes un peu manipulés par une sorte de gourou, comme ça, qui était une voix en cabine. Et le jour de la première, le metteur en scène nous a dit « Bon, eh ben, ce soir, attendez-vous à tout, parce que je vais vous appeler dans un ordre aléatoire. Et je peux vous croiser et un tel peut danser avec un tel, alors que c'est pas... » Et en fait, c'était magnifique parce qu'on s'était dit, on a tout construit, tout échafaudé, et puis une autre histoire va se raconter. Est-ce que le fait que vous soyez comédienne, ça facilite votre travail de metteur en scène avec les comédiens et les comédiennes ? J'espère, oui, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'on se comprend, ils se sentent écoutés, regardés avec tendresse. Avec tendresse, avec beaucoup d'exigence, parce que je sais qu'un acteur aime beaucoup qu'on le dirige et qu'on le pousse à aller le plus loin possible. Donc je suis plutôt assez directive et très bienveillante, mais je vais loin, j'espère, d'accord, avec eux. La croisière vit bien, mais elle ne s'amuse pas forcément. Non, elle vit plein de choses, elle s'amuse parfois, elle pleure d'autres fois, mais on finit toujours par atteindre notre but. On va se mesurer avec l'hélice. Oh, mais regarde, Celebrity Apex, Valletta. Fondée par Patrick Deville il y a plus de 30 ans, la Maison des écrivains étrangers et des traducteurs de Saint-Nazaire accueille des auteurs en résidence dans son appartement dominant la ville et le port. L'Espagnol José Manuel Farrardo vient d'y poser ses valises. En immersion au cœur de la ville, il aura 2 mois pour créer une œuvre comme tous les auteurs, essayistes et poètes accueillis avant lui. La maison édite une revue littéraire, organise des rencontres et publie des textes dans la langue des auteurs et en français. Les murs sont pleins de livres d'auteurs de chinois, de tchèques, de l'Amérique latine, de partout, allemands, de la Russie. Tu te sens toujours en dialogue, d'une certaine façon, avec tous ceux qui t'ont précédé dans ce même espace. Non? C'est comme un espace magique. Maintenant, je suis sur une nouvelle qui me casse la tête. Alors, j'ai retravaillé tout de début, que c'est encore pire qu'écrire de nouveau. Et je suis là. Mais j'ai passé quelques jours à essayer de trouver une voie pour arriver où j'ai une intuition que je dois aller. Et hier, à 3h matin, c'est-à-dire ce matin, à l'aube, et je crois que j'ai réussi à trouver ces voies. Et c'est là que je suis. J'essaie d'ouvrir un chemin et on va voir ce que ça donne. Et je travaille en général sur 2-3 textes en même temps. Il y a un moment qu'il y a un texte qui te prend et qui te traîne avec lui. Et alors, toi, tu te laisses emporter. Il faut avoir la modestie de ne vouloir pas être toi le seigneur absolu de ton écriture et savoir quand tu dois
obéir les textes et les suivre, non, parce que finalement, c'est les textes sont les personnages des textes qui tirent de l'histoire et qui t'amènent. Non. Mais ça ne dépend pas de toi. Et parfois, ça prend du temps aussi. L'intéressant, c'est qu'ici, on a le temps pour tout. Ici, les jours n'ont pas 24 heures, mais plus. Une fois que tu as une idée d'un texte, d'une histoire, c'est comme un phénomène de magnétisation. C'est-à-dire, toutes les choses autour commencent à orbiter autour de ton histoire. Et alors, tu fais la pêche et pendant des mois et des mois, dans les histoires des autres, dans des situations des autres, dans des endroits que tu croises, dans des lectures que tu fais, films que tu regardes, nourriture que tu manges, tout est utile pour nourrir l'histoire que tu es en train de commencer à préparer dans ta tête. Et c'est après tout ça qu'on commence à rédiger. Non? Une phrase que j'aime beaucoup de Paul Auster, il dit qu'il y a une connexion entre le cerveau et les doigts. Et quand tu écris, c'est comme s'il s'ouvre un canal de cette connexion et les mots passent du cerveau au doigt, mais sans s'arrêter à nulle part, je veux dire, sans se formuler avant. Les mots tombent sur le test et s'ordonnent presque tout seul. C'est incroyable. Et cet ordre magnifique de la phrase, ça apaise, ça fait du bien quand on le voit. Algo fuerte, nada mejor que esto, pero si de verdad quieres volarte, tómatelo a lomos de mi caballo de ébano. Eso no lo has probado nunca. Los ojos de la modelo. Saint-Nazaire possède l'une des 5 bases sous-marines construites par l'Allemagne nazie sur la façade atlantique au cours de la Seconde Guerre mondiale. Témoignage d'une période tragique, les Nazériens ont pourtant décidé de la conserver et d'en faire un espace de reconquête urbaine. Au fil des années, la base devient un pôle d'activité culturelle et touristique. L'écluse fortifiée de la base abrite l'Espadon, le premier sous-marin français à faire surface au-delà du cercle polaire en 1964. 4 des 14 alvéoles de cette forteresse défensive restée en eau sont ouvertes aux usagers et visiteurs. Beaucoup d'autres ont été comblées pour installer des équipements publics. Dernier né sur la base, Éole, un centre touristique sur l'éolien, a ouvert ses portes début 2019. C'est vrai qu'une alvéole de la base sous-marine, c'est un décor qui est lourd, hein, un décor cinématographique, mais aussi un décor historique qui fait véritablement sens pour une comédienne, pour un metteur en scène. Qu'est-ce que ça signifie, un endroit comme ça? C'est un endroit qui est détenteur de 1000 secrets d'histoire, le secret de personne, le secret... Il y a des hontes, il y a des bravoures qui ont été dans ces lieux... retenus, protégés. Ce qui est fou, c'est qu'on est dans un monde où les replis, les abris comme ça sont de plus en plus rares. On est plutôt sur des réseaux où tout s'expose, qui on est, ce qu'on fait, c'est un peu la règle du jeu. Il faut faire valoir qui on est et ce qu'on produit. Alors ici, on a l'impression que les murs parlent d'eux-mêmes ou en tout cas détiennent, retiennent. C'est très mystérieux et en même temps, il y a une connaissance des livres, d'images qu'on a déjà vues, une impression de déjà-vu et de redécouverte. Si on pouvait monter une pièce ici, quelle serait l'œuvre ou quel serait l'auteur qu'on pourrait mettre en scène? Key West, Nicole Tess, ce serait parfait, ce serait violent. C'est une évidence. Ah oui, ouais. Ça serait violemment sensuel et ancré. Oui. Le marin de Gibraltar, de Marguerite Duras, avec cette trouée et tous les fantasmes que ça peut... Voilà, moi, je trouve que c'est vraiment un endroit qui peut faire naître beaucoup de fantasmes, beaucoup de cachettes, d'alcôves, de... Justement, est-il propice à la confession? Ah, c'est certain.
Et il y a dû y avoir pas mal de confessions. Il peut y en avoir. Je pense qu'on se donne rendez-vous ici, un peu en cachette, pour venir se dire ce qu'on ne peut pas se dire au grand jour. Parce que là, quand même, tout est très filtré. Tout est très... comme dans la confession. D'ailleurs, si on devait se parler tous les deux de choses profondes, et sans doute qu'on prendrait du champ, ou alors on se rapprocherait comme dans un confessionnal, mais sans se voir. Le confessionnal, vous êtes en train de travailler sur ce sujet? Oui. À travers un documentaire, donc tourné dans la région? Absolument. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous intéresser à ce thème-là? En fait, les confessionnaux sont en train de disparaître. Et quand je m'en suis rendu compte, ça m'a rendu très triste. Non pas que je passe ma vie dans les églises et dans les confessionnaux, mais j'aimais savoir que ça existe, qu'il y avait un abri où on pouvait se retrouver et venir déposer ce qui nous pèse. Et je me dis, actuellement, on est dans un monde où tout est très transparent. On dit que Facebook est la maison de verre, où tout est... Voilà, où on prend des photos. Et moi, j'adore. Hein, j'adore faire ça aussi, immortaliser et partager avec le plus grand nombre, avec des tribus. Mais j'aime bien savoir qu'il existe un endroit où tout va être retenu et à jamais caché. Moi, je crois que quand on a un regard bienveillant, on oublie tout le reste et on est... Et d'ailleurs, dans un confessionnal, on ne voit pas, on n'est que des voix. Des voix, des souffles, les voix sont très sourdes. D'ailleurs, avant, quand on passait à côté d'un confessionnal, il fallait baisser les yeux et se boucher les oreilles pour vraiment respecter l'intimité de l'autre. Qui fait ça aujourd'hui? Prête à écouter ma confession? Je vous écoute, Christophe. Guérande et ses marais salons. Bienvenue dans l'univers intime de Delphine Coutant. C'est là qu'elle a nourri son cahier de mots, d'émotions, de lumières et de notes. Son monde de cristaux a toujours fait mélodie. La paludière a quitté sa saline. La cueilleuse de sel récolte désormais des fleurs de Seine, mais revient toujours goûter les œillets de son inspiration. La lance incendie, un objet délétère. Il y a une partie des chansons qui naissent ici. Je pense que ce qui me fascine, autant sur les salines que dans les chansons, c'est ce qui relève de la transformation, de l'alchimie, notamment au moment de la saison de sel. C'est incroyable de voir le sel arriver, parce qu'on sait que c'est un processus qui est très lent, qui a demandé en plus à être préparé bien en amont. Et tout d'un coup, il y a cette transformation qui a lieu sous nos yeux. On voit arriver les cristaux. Et je crois que c'est un petit peu ça qu'on cherche aussi dans les chansons. C'est, il y a quelque chose qui se prépare. Il y a une imprégnation, comme par exemple quand on se promène sur une saline. Et puis tout d'un coup, il y a quelque chose qui arrive. Il y a une mélodie, des mots et une chanson tout d'un coup qui fait corps, quoi. Ça y est, qui est là. Du plus vers le moins, à suivre son chemin. Je résiste en vain, j'espère le court-circuit. Dans le commutateur, j'ai toute la chimie. Dans le collimateur, la lance... Il y a quelque chose qui nous relie et qui est presque magnétique. Il y a des moments de grâce, on les sent. Dans ces moments-là, moi, j'ai le sentiment de n'avoir besoin que de me laisser porter. Et quand c'est comme ça, je glisse. C'est une transformation. C'est partir d'un état qui parfois relève de l'indicible, de l'impalpable, et de réussir à en faire quelque chose d'existant, de recevable, de poétique. Dans les sables instables, je sais les édifices et je ne crains pas le règne du mirage. Les chansons, la musique et la poésie, ça me... Je suis un petit peu dans les airs, je dirais, avec ça. Le marais ou un paysage saisissant, ça me...
Ça me remet complètement dans la terre. J'aime tellement être dans ces endroits de nature merveilleux que j'ai envie déjà de partager ça. Pendant longtemps, j'avais l'impression qu'il y avait d'un côté la musicienne, de l'autre la paludière, qu'il y avait deux mondes. Et j'ai besoin que ça puisse se rencontrer. C'est aussi pour ça que je fais des concerts dans les arbres aussi, des concerts flottants sur l'eau, pour relier cet amour de la nature et puis de la musique. C'est pour ça aussi qu'on a mis au point des instruments qui peuvent aller un petit peu partout. Nous faisons des concerts perchés et puis des concerts dans les salines, enfin partout où ça nous inspire. Là, Ninon, je vous emmène dans un lieu où dans votre vie, tout converge finalement, puisque malgré quelques escapades au cinéma ou à la télé, tout nous ramène à la scène d'un théâtre comme celui de Saint-Nazaire. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes là, quand il n'y a pas chose plus belle qu'une scène, n'est-ce pas, au monde ? Comme disait Barbara, rien de mal ne peut arriver dans un théâtre, on y est protégé de tout. Et je ressens ça, c'est parce que tout est possible, des guerres, des histoires d'amour, des voyages, des enfermements. La passion. La passion, et en même temps, on y est protégé de tout. Et les lumières, voilà, on a du soleil en pleine nuit, on a une sensation de liberté et d'un rendez-vous à venir. Ça, c'est ce qui me met en joie, c'est d'être en équipe et de donner rendez-vous à des personnes pour leur raconter une histoire. Mais un théâtre à nu comme il est là, qu'on voit rarement, c'est-à-dire avant l'arrivée des comédiens, avant l'arrivée même du metteur en scène. Tout à fait. Le spectacle en devenir, il commence maintenant. Absolument, avec les perches, les réglages des éclairages. Quand c'est en plein montage comme ça, on est, tout est en promesse. Mais voilà, on est dans le fantasme, la réalité n'est pas encore là. C'est une fois que tout remonte qu'on se dit, ah, ça y est, on voit. C'est le théâtre en devenir. Exactement. Hein? Toutes les coutures qu'on voit là et qu'on va faire oublier par la suite, puisqu'elles vont toutes remonter dans les cintres pour laisser place à l'histoire qui se raconte. Est-ce que la sensation sur scène est la même que celle que vous ressentez lorsque vous êtes côté salle, c'est-à-dire dans le rôle de metteur en scène? Elle est peut-être plus sensorielle et plus artisanale de l'autre côté, parce que de l'autre côté, on est obligé de penser au son, à la lumière. Parfois, on a des délires, on se dit « Ah tiens, je voudrais ça !» Puis on a l'équipe qui dit « Oui, mais alors attention, il y a quand même une grammaire, on ne peut pas éclairer de cette manière-là, sinon tu vas perdre tout l'arrière-plan. » Donc, on est plus en recherche, en composition. Alors que quand on joue, on se laisse porter, on est... Et le trac, parlons du trac. Est-ce que c'est quelque chose qui vous emplit encore aujourd'hui, ou est-ce que c'est quelque chose qui disparaît avec le temps? Ah oui, c'est une douleur délicieuse. C'est-à-dire que quand on l'a pas, on le redoute, et en même temps, s'il n'arrive pas, il nous manque quelque chose. Parce que c'est quand même une espèce de fièvre, de ferveur. Puis ça veut dire que le moment compte. On le sait bien dans la vie, quand on a le trac, quand on attend un coup de fil, quand on attend... Là, on attend tellement de personnes. Heureusement qu'on est en émoi. Et si Jean-Louis Benoît, votre mari, le metteur en scène de théâtre, était là, quelle serait sa place? Côté salle, en coulisses, sur scène, caché quelque part? En amont, il est dans ma tête en préparation et c'est une figure tutélaire qui me protège et qui m'inspire. Et puis, au moment du rendez-vous avec le public, il est avec eux, il est dans la salle. Alors allons vers eux, hein, puisque l'occasion nous est donnée. Alors cousin, on se retrouve à Saint-Nazaire, c'est ton fief. Et j'ai eu envie de te donner rendez-vous dans le théâtre de Saint-Nazaire. Donc, un projet fou dans ce théâtre, ça serait quoi? Action! Y faire rentrer un paquebot. Tu sais, je te dois beaucoup et je dois beaucoup à la famille Bretéché, Ninon, parce que, en fait, j'ai grandi, moi, entre
les chantiers de l'Atlantique comme fils et petit-fils de constructeurs, ouais. Et les ateliers de construction de décors de ton papa, Serge, à Chaville. Serge m'a inoculé le virus du spectacle et j'ai eu la grande chance dans ma vie de concilier mes deux passions en devenant baptiseur, si ça se dit, de paquebots et de navires. Et avec mon équipage, l'équipage de Capimage, aujourd'hui Capa Event, on a fait le tour de France et de l'Europe pour baptiser à peu près tout ce qui flottait, des paquebots, des sous-marins, des navires de course, même récemment une éolienne ici à Saint-Nazaire. Ouais. Et il est un point commun très fort entre le petit peuple des constructeurs, des chantiers et celui des techniciens du spectacle. C'est un grand attachement aux traditions et une grande humilité, celle de rester toujours dans l'ombre et d'essayer les artistes dans la lumière. Merci, coupé, merci. Merci. Je crois que je l'ai. Hein. Sensibiliser les enfants et adolescents à l'écologie et à la préservation du plancton, c'est l'objectif que s'est fixé le street artiste Antoine Martinet, alias Mioche, en animant des ateliers avec des scolaires. Ensemble, ils réalisent une fresque collective et un jeu vidéo. Donc vous vous rappelez nos formes qu'on avait commencé à faire? En fait, ça, faut imaginer que c'est un peu l'océan et qu'il y a un gros courant avec plein de plancton dedans. Et il y a des endroits où on peut pas coller parce qu'on a décidé que les planctons, ils étaient concentrés à certains endroits de l'océan. Ça donne du rythme, en fait, vous voyez? Mais surtout, ils nous aident à créer des lignes directrices. C'est bien d'avoir des siphonophores un peu partout qui structurent le truc. On a décidé d'une forme pour coller. On colle pas n'importe comment, n'importe où. Est-ce qu'il faut qu'on colle tous les planctons aujourd'hui? Non. Non, parce que ce qu'on fait là, c'est un entraînement en fait. C'est juste Ouais, c'est un essai. La prochaine fois, on colle en vrai, avec de la vraie colle. Donc là, c'est un coup d'essai, d'accord? Non, non, faut bien les répartir. Et ce serait bien de faire des vagues avec les petits ronds. L'idée, c'est que chaque participant crée une famille de plancton et en choisisse un qui va figurer dans le jeu vidéo. En fait, c'est une espèce d'aquarium et les élèves pourront retrouver leur dessin. Alors, au final, il va y avoir plus de 250 planctons, je pense. En détourage effectif, après, on va peut-être pas tous les utiliser. Mais... Bon, non, si, ça marche en fait. C'est, ouais, ça marche bien. En fait, normalement, il est censé être plus clair le fond, non? Quand t'es en surface, t'as les premières zones de plancton. Ouais, mais tu trouvais ça un peu clair à un moment, donc j'ai... Ah, mais moi, je trouve que là, on est déjà dans la nuit, je trouve. Là. Ok, bah, je peux éclaircir le truc, rapidos. C'est vrai qu'ils étaient tous un peu concentrés au milieu. Après, ouais, il faut peut-être les éclater plus. Ouais, ça, c'est sûr. Ouais. Sûr. Quand on veut identifier, en toucher un plancton sur la tablette, au moins... L'idée, c'est qu'il y ait une espèce d'invasion par des éléments architecturaux qui appartiennent au bâtiment, genre les bouches d'aération, les bouches d'égout, les fenêtres, ou que les planctons ils arrivent de quelque part et ils s'enfuient, ils reviennent, ils se cachent. Et... un espèce de nuage de plancton là qui s'infiltre un peu sur les murs. Bah oui! Confrontée à sa première histoire d'amour, une jeune femme voudrait que tout aille bien, dans son corps comme dans son esprit. Mais ce n'est pas le cas. Les interrogations sont nombreuses, les émotions se bousculent. De quoi lui donner des envies de vieillir? Tout va bien raconte le parcours intime d'une jeune adulte qui voudrait aimer et être aimée. L'histoire vraie de Charlie Jeanne-Mort, alias Anna Elkis. C'était moi quand j'avais 20 ans. Avec mes pensées, mes relations, les découvertes sur le corps, l'amour, le genre, tout ça. Ça, c'est moi avec les cheveux longs. J'ai choisi de raconter des choses assez intimes pour que les gens aient l'impression que je me confie beaucoup en fait, à eux. Et du coup, eux peuvent se projeter dans leur propre intimité. En fait. Le bleu, c'est assez doux. Et comme c'est une BD qui se veut très douce et bienveillante, je trouvais que ça allait bien. Et aussi, c'est une couleur très, très nostalgique. Et ça marche bien sur
l'idée de se replonger dans la sortie de son adolescence. On a l'impression de nager avec le personnage principal dans tous les sentiments qu'il le traverse. J'avais choisi un dessin numérique pour quelque chose de très très épuré et que du coup les parties plus graphiques puissent être beaucoup plus marquantes. Donc des fois quand c'est des rêves, c'est quelque chose de très crayonné et brut pour représenter la recherche intérieure ou les sillons des pensées, c'était gravé dans de la lino. Et des fois, quand c'est des flashbacks ou des souvenirs, c'est quelque chose de aussi brut, mais un peu plus lâché. À chaque fois, j'essayais de réfléchir chaque petit moment clé avec une démarche graphique qui allait plus loin que juste le visuel, en fait. La BD parle d'un moment dans ma vie où je ne savais pas que j'étais une personne trans. C'est pour ça que le personnage d'Ellie est genré au féminin, parce que c'était un moment de ma vie où on me genrait au féminin, où je me genrais au féminin. Mais c'est pas pour autant que j'ai changé de genre après ça. Et au moment où je me suis installée à Nantes, j'ai réussi à avoir du recul et surtout à être mieux et pouvoir penser à autre chose et à penser à moi en tant que personne. Et du coup, là, j'ai compris que j'étais pas une fille, que j'avais jamais été une fille et que j'étais un garçon. Je suis de la génération où on a beaucoup de casquettes. Je suis auteur de BD, mais aussi storyboarder, aussi chara-designer, concept artiste, scénariste. Donc souvent on dit artiste, comme ça, ça englobe un peu tout. Moi principalement, je fais tout sur la tablette, le crayonné de base. J'utilise un peu de documentation si je bloque sur certaines poses ou certaines anatomies. Et puis après, j'encre tout. Pour ce projet-là, je fais en plus la couleur et l'ancrage en même temps. Le principe, c'est qu'on a on est des jeunes ados et on a des super pouvoirs pour protéger le monde. Et là, c'est juste la France. Et du coup, comme c'est l'action qui est importante dans l'histoire, ben, on m'a demandé de faire un test avec une planche d'action entre plusieurs personnages et un méchant. Du coup, c'est juste vraiment pour montrer un petit peu les couleurs, l'action, comment ça pourrait rendre en BD. Ninon, vous avez voulu qu'on se retrouve autour d'une servante. Je voudrais comprendre pourquoi, à quoi ça sert et qu'est-ce que ça symbolise au théâtre. Alors au théâtre, la servante symbolise une lumière, une veilleuse très haute, droite, et qui permet à tous ceux qui travaillent dans le théâtre la nuit, dans le noir, entre deux représentations, de se diriger, de ne pas se perdre, de ne pas se faire mal. Et on dit aussi que la servante écarte les fantômes. En Angleterre, on l'appelle « the ghost lamp ». La lampe des fantômes. Certains esprits sont autorisés à tourner autour et tous les mauvais souvenirs sont chassés. Ce qui fait que chaque nouvelle journée arrive vierge. Mais cette servante, elle, détient tous les secrets du théâtre. Même les plus intimes ? Surtout les plus intimes. Elle voit tout, elle entend tout, elle se tait. Juste elle éclaire. Et puis elle évoque aussi Molière. Les servantes de Molière, elles, sont pleines de bon sens et parlent beaucoup. Cette servante-ci, qui est une lumière en hauteur, dressée, elle se tait. Quelle symbolique ! Éclairer, sans juger, et retenir en soi tout. Et la morale de la servante, alors ? Je crois que c'est d'aimer l'humanité dans son entièreté. Les monstres, les génies, les fées, les sorcières, les mendiants et les rois. Sans juger. Sans juger. Langevin, Théophile, avec O majuscule, élabore un univers musical, poétique et ludique. Né à Rabelais-sur-Layon, cet artiste amoureux du verbe travaille seul sur ses chansons qui respirent l'air du temps et font naître l'émotion, à l'image de ce nouveau single inspiré d'une rencontre dans une prison.
Tu dois partager tes faisceaux de lumière dans 6 mètres carrés de poussière. Tu retiens tes larmes de colère, justice pour entrer, cicatrice en retour. Tu aimerais rentrer sans repasser par la cour. C'est comme un cercle infini, tu m'as dit c'est jamais fini. C'est comme attendre la folie, les yeux ouverts toute la nuit. Alors, comme les Nazériens, Ninon, vous aimez bien le toit de la base sous-marine, hein, oui. Comme une promesse d'ailleurs, avec une vue imprenable sur le port et sur l'océan. C'est un endroit qui est très accessible oui. aux gens. Qu'en est-il du théâtre? Est-ce qu'il est suffisamment ouvert, suffisamment accessible? Ah oui, le théâtre, il peut se faire dans la rue, il peut se faire dans les murs, il peut s'écrire en bande au lycée et puis prendre vie ensuite dans un lieu plus classique. Ah oui, le théâtre, c'est la liberté, le spectacle vivant en général. Et pourtant, les jeunes ne sont pas suffisamment attirés par le théâtre. Bon, ils sont plus captés par les écrans, par les réseaux sociaux. Comment on fait pour attirer ce public-là vers le théâtre? Alors, c'est Woody Allen à qui on demandait il y a quelques années, je crois, est-ce que vous n'avez pas peur que le cinéma disparaisse avec les home cinéma? Il disait non, parce que les gens auront toujours besoin de se retrouver ensemble pour découvrir ensemble quelque chose. Donc ça ne disparaîtra jamais. Ça a toujours existé et ça existera à tout jamais. On peut aussi choisir des médiateurs pour instituer un nouveau dialogue avec la jeunesse. Je pense aux stars. Olivia oui. Ruiz, par exemple. Qui est aujourd'hui, qui fait partie de votre univers, avec qui vous allez travailler ah, oui. sur une pièce de Marguerite Duras. Oui, j'ai cette chance. Je vais monter l'Eden Cinéma, qui est une adaptation que Marguerite Duras a faite de Barrage contre le Pacifique. Et c'est Olivia qui va jouer Suzanne, la jeune fille libre, insolente, pauvre et incroyablement courageuse. Ça va être une promesse vers l'ailleurs, vers le très lointain et vers le très profond. Et pourquoi l'Eden. Duras? C'est important de le dire. Duras parce que, alors, elle a une musicalité des mots, elle a un sens des mots qui me touche profondément. Ça semble simple et c'est d'une profondeur et d'une dureté que je trouve très proche de la vie, avec toute la poésie et tout le lyrisme qu'il y a autour. Et en plus, elle est insolente, donc elle donne la chance à la vie, Duras. Est-ce que le théâtre nous change? Est-ce que le théâtre nous rend plus heureux? Ah oui. Oui, le théâtre, il rend heureux parce qu'on peut être très imparfait sur une scène de théâtre. On peut être bossu, violeur, assassin, raconter les pires atrocités et avoir les pires pensées en tête et permettre aux personnes qui sont dans la salle de se sentir mieux, de se sentir moins terrible et on est applaudi à la fin.
où est-ce que ça se produit sur Terre à un autre moment? De pouvoir être tout ce qu'on veut d'une manière débridée et en plus en délivrant un message pour que les autres se sentent mieux. Sans être débridé, est-ce qu'on peut se tutoyer? Oui, on peut se tutoyer. Où est-ce que tu m'amènerais si on devait poursuivre cet échange? Je t'emmènerais à Saïgon. Saïgon? Sur un ponton, monté sur pilotis, au-dessus de l'eau. Duras et la pièce. L'Eden Cinéma. On y est, alors ça y est, on part. 1950. Le building, les écrivains et le voyage. Absolument. Ah.